Les développeurs ont levé le voile hier soir sur l'entièreté de la nouvelle map qui servira à la fois en Résurgence et en DMZ, et si on est là aujourd'hui, c'est pour faire une petite visite guidée de ces 7 points d'intérêt principaux. On va voir en détail les bâtiments et les éléments qui les composent, puis on essaiera de se faire une idée de comment la map se jouera lors de sa sortie officielle le 15 février. C'est parti! Je propose de commencer par un rapide cours d'histoire et de décrire du coup un peu le lore de cette map pour qu'on sache un peu où on met les pieds quand on pourra dropper dessus. Donc l'île Ashika, également connue sous le nom de l'île du Lion de Mer, fait partie d'un petit archipel situé dans un lieu non divulgué, quelque part dans le Pacifique. Les dernières missives indiquent que l'île est utilisée comme plaque tournante par le groupe ultranationaliste Kony, notamment pour le transport d'armes chimiques et biologiques. Les informations obtenues suggèrent que des armes nocives sont reçues ici en provenance d'une installation biochimique suspectée à Al-Mazra. Prévue à l'origine comme une destination de villégiature, le développement de l'île Ashika a été arrêté au milieu des années 90, mais les raisons n'ont pas été divulguées publiquement. Depuis lors, les déplacements à destination et en provenance de l'île sont fortement limités. Des communications récemment interceptées suggèrent que des soldats de la Shadow Company ont pris le contrôle de l'île, apparemment pour traquer des membres du groupe Kony. Bien que l'endroit semble abandonné, il se dit que des opérateurs de Kony restent très actifs dans cette zone de conflit. Quel que soit l'endroit où vous vous rendez, une extrême prudence est recommandée. Ok, maintenant qu'on sait à peu près dans quel merdier on va se retrouver d'ici moins de 2 semaines, je pense que ce serait pas superflu de vous faire une petite visite guidée complète de l'île et de ses points d'intérêt, pour pas que vous soyez paumé dans vos premiers drops. La majorité du secteur nord-ouest de l'île d'Ashika est composée d'un usage mixte agricole, résidentiel et industriel, ainsi que d'anciennes défenses du littoral. C'est par là qu'on commence notre visite, et ce point d'intérêt, il s'appelle Oganiku Farms. Dans ce lieu, on retrouve plusieurs structures, et parmi elles, on a des ruines, des serres et une plage située au nord. À l'extrême nord-ouest de l'île se trouve une tour de communication, et pour info, c'est l'une des 3 tours qui sont des repères facilement identifiables sur l'île, et elle est située sur une étroite langue de sable, près des rochers et d'une digue. Plus loin, on trouve un gigantesque tas de gravats et 2 structures datant de la guerre en cours de démolition. Pour la plage nord, on y trouve une bande de sable avec des obstacles en béton à moitié enfoncé, des rochers et un accès à l'île principale ainsi qu'à l'installation de traitement des eaux à l'est. Du côté des serres, on a une grande installation agricole comprenant une cour, des entrepôts de chargement et 8 structures de serres individuelles, toutes avec des toits numérotés pour faciliter la localisation. Au sud-est, on trouve l'entrée principale et des entrepôts de maintenance supplémentaires. Le prochain point d'intérêt, c'est le centre-ville, et il est situé à cheval entre l'ouest et le sud-ouest de l'île. Pour info, il comprend aussi une baie avec d'impressionnantes défenses de digues. Au nord-ouest du principal canal sous-marin se trouve une gare maritime et des installations touristiques. Si on traverse les ponts du canal, on atteint alors un hôtel et un quartier de marché, ainsi qu'une station-service supplémentaire qui mène au bâtiment de l'hôtel de ville. Plus loin dans l'océan se trouvent 2 barrières en béton en forme de L enfoncées dans le fond de la mer pour empêcher les inondations dues aux marées. On peut y accéder, mais le potentiel de dissimulation y est très limité. Ensuite, on a une jetée recouverte d'acier qui permettait aux visiteurs de débarquer des ferries qui arrivaient fréquemment sur l'île avant le début des hostilités. Elle offre un accès rapide au centre touristique et à partir d'elle, on peut aussi accéder au parking. Pour le bâtiment du centre touristique, il est en béton blanc et il offre aux visiteurs des informations, notamment avec une carte de l'île ainsi qu'une petite boutique de souvenirs et des cuisines. Les opérateurs qui y entrent peuvent y trouver des vues intéressantes sur l'île en direction des fermes et du centre-ville. Parallèlement à la promenade de front de mer en béton bleu clair qui se poursuit approximativement vers l'est et le sud jusqu'à l'aquarium, on trouve un bâtiment de taille moyenne, l'Event Center, qui se distingue par sa signalisation et ses panneaux solaires sur le toit. À l'intérieur se trouve une salle de réception et une salle de bal principale avec des puits de lumière. On a aussi une petite station-service offrant toutes les possibilités de réparation et de ravitaillement des véhicules auxquels vous êtes habitués, ainsi qu'un excellent accès aux différentes routes de l'île. Ensuite, soutenu par un mur de roche à l'est et la proximité des cours d'eau, se trouve un centre scientifique moderne avec de nombreux points d'accès vers l'intérieur et le toit. Cette structure à peu près en forme de U comporte 2 étages intérieurs avec un balcon en mezzanine donnant sur un foyer principal, un escalier menant au toit et un point de rappel d'ascenseur très facile d'accès. Pour le canal et les ponts de la rivière, l'entrée ouest des voies navigables intérieures sous l'île est accessible depuis le canal, avec 2 ponts qui enjambent l'espace sous eux. On peut également accéder facilement aux berges en béton en pente. Notez que l'arche métallique de la passerelle a une teinte bleu clair. Pour poursuivre, le port au sud du canal de la voie navigable ouverte présente des eaux généralement calmes, une station-service flottante sur un ponton pour ravitailler et réparer les véhicules, et un accès à l'île principale par des escaliers de promenade en béton. Notez que la digue est un bon endroit d'où vous pouvez tirer si vous n'êtes pas trop tracassé par votre couverture. On notera aussi que le bassin de marée sous l'aquarium sert aussi de point d'insertion menant au cœur des voies souterraines. Pour le quartier du marché et de l'hôtel, on a un petit ensemble d'entrepôts avec des étals vendant une variété de produits locaux. Il y a de nombreux alcôves et de toits
sur lesquels on peut se faufiler, ainsi qu'un accès facile à l'eau et au canal. À l'est et de l'autre côté de la route principale se trouve un hôtel avec un foyer au rez-de-chaussée, un bar à sushi, un ascenseur qui permet d'accéder à l'étage supérieur, deux chambres et un accès au toit. Au sud du marché, on trouve une station-service pour faire le plein et réparer rapidement les véhicules, et elle offre aussi un accès rapide à la baie ou à l'hôtel de ville adjacent. En parlant de l'hôtel de ville, on a affaire à une impressionnante structure moderne construite en forme semi-circulaire faite de béton et de verre. À l'intérieur, on trouve un vaste rez-de-chaussée ouvert, des escaliers mécaniques menant à une petite cuisine et une mezzanine avec des vitrines d'exposition. Ensuite, il y a un étage supérieur qui comporte un jardin zen intérieur et extérieur. Le terrain rocheux situé derrière la structure offre des possibilités de couverture et d'accès au terrain du château qu'on évoquera plus tard. Le prochain point d'intérêt, c'est le Beach Club, et il est situé plus au sud-ouest du centre-ville et à l'est du port. Certaines parties de la zone sont d'ailleurs facilement repérables depuis un saut en parachute car les sentiers sont bleu vif. Le Beach Club contient d'ailleurs un aquarium, et c'est de lui que je parlais quand je parlais des sentiers en bleu, et ça les rend donc très faciles à repérer. L'aquarium est apparemment dépourvu de vie, il se compose d'une salle d'expo, d'un petit parking et d'un bassin de marée au bord de l'océan sous la passerelle surélevée de couleur grise. Pour le Beach Club, il est également reconnaissable à la couleur des sentiers puisque les pavés bordeaux vous font passer par une grande zone ouverte sur un quatuor de petites cabanes et sur le clubhouse principal. À partir de là, on a une volée de marches courbes en béton qui mène à une petite plage, une baie océanique avec un plongeoir entouré de digues, un petit parking et une passerelle piétonne, le tout qui mène à une jetée avec une structure circulaire. Cela dit, les vues pittoresques du Beach Club sont toutefois quelque peu gâchées par un projet de démolition sur les falaises au-dessus du club. Au sommet de cette falaise se trouvent d'ailleurs les restes d'une structure qui n'est maintenant plus qu'un amas de béton et de barres d'armature à moitié détruites. On notera quand même les chemins qui mènent à l'hôtel de ville et au château. Ok, prochaine destination et donc prochain point d'intérêt, le château de Tsuki. Il s'agit du terrain le plus élevé au centre de l'île d'Ashika et il est dominé par un ancien château avec de multiples fortifications et une colline défensive naturelle le long du côté sud-ouest de la structure. Il s'agit d'un grand plateau avec des créneaux étagés et peu profonds, des cerisiers en fleurs et quelques structures secondaires éparpillées sur le terrain. Par ailleurs, le lieu offre aussi de grandes possibilités de combat tant en hauteur qu'en profondeur. Il y a une voie d'eau souterraine et une base sous-marine directement sous la fortification. Bien que les anciens murs de cet imposant château aient été marqués par les récentes hostilités, il existe toujours un dédale de cachettes, de points d'accès et d'endroits à explorer à la fois au-dessus et au-dessous du sol. L'anneau défensif intérieur de la forteresse commence par un fossé sur trois côtés. En fait, les collines adjacentes empêchent le fossé de faire le tour complet de la base. Un mur de douve offre des ouvertures menant à une cour intérieure fortifiée et à une structure adjacente avec une remorque radar. Dans la cour, on trouve un petit bâtiment extérieur récemment utilisé comme caserne et le donjon principal du château qui domine les autres structures. Au nord-ouest du château, au-dessus de la centrale électrique et de certaines parties du quartier résidentiel, on trouve une espèce de colline étagée au sommet de laquelle se trouvent trois batteries anti-missiles. On y trouve aussi des murets défensifs, des conteneurs, des machines à excavation et un vieux puits. Les vieilles structures situées à l'extrême nord du parc du château se composent de deux groupes principaux. On a un musée entouré d'une cour, une hutte de cérémonie, deux bâtiments reliés entre eux à deux étages et plusieurs vitrines, généralement en ruines, qui sont dispersées dans les couloirs. Plus à l'est se trouve l'entrée nord, désormais l'entrée principale du domaine du château, un centre d'accueil avec un sol surélevé permettant le passage des véhicules et un accès rapide aux douves entourant le domaine intérieur du château. En ce qui concerne les jardins sud-est, avant les récentes opérations de combat, cette partie du parc du château pouvait être considérée comme tranquille avec des jardins zen, des érables, des bancs, des huttes et des ponts cérémoniels. Ensuite, taillé dans la roche sous le château, on retrouve un vaste système de tunnels qui offre une route souterraine entre l'ouest et le centre-ville, le nord et l'usine de traitement des eaux et l'est avec le port d'Ashika. Ne faites cependant pas l'erreur de penser qu'il n'y a pas beaucoup d'autres points d'insertion supplémentaires permettant aux opérateurs d'accéder au terrain du château et d'en sortir. Il y a de nombreuses alcôves et routes cachées à trouver et à explorer. Le prochain point d'intérêt, c'est le port d'Ashika. Il y a un terrain escarpé au nord lorsque vous vous aventurez vers ou depuis le château, et une variété d'entrepôts industriels et de bureaux, plus une tour de communication ainsi qu'une entrée de canal vers la base souterraine. La boucle goudronnée principale autour du périmètre de l'île prend la forme d'un court pont en dodane lorsque la route quitte le Beach Club et que vous atteignez l'entrée de port Ashika. Attention donc aux ennemis qui pourraient se cacher sous ce pont. La cour industrielle située à l'ouest des ponts du canal se compose d'entrepôts de stockage. À proximité se trouve une structure au toit rouge, deux structures ouvertes de stockage de bateaux à quai, une rampe de mise à l'eau et un entrepôt plus grand avec deux baies ouvertes. Un petit parking mène à un parc de conteneurs de stockage et à une tour de communication. Près du pont qui enjambe le canal routier se trouve le bâtiment du capitaine de port et un grand entrepôt avec deux ascenseurs à bateaux, à proximité de la passerelle piétonne
piétonne rouge. Ce canal sépare d'ailleurs les deux côtés du port et y mène directement à la base souterraine tentaculaire située sous le château. Au nord-est du pont rouge se trouve le bâtiment de contrôle avec des salles de serveurs et des bureaux nichés le long de la rive. On a aussi d'impressionnantes digues de défense qui limitent la férocité des vagues au niveau de la baie d'Ashika. Les embarcations peuvent facilement se ravitailler ici sur le ponton flottant auquel est rattachée une station-service. Il y a de nombreux points d'embarquement vers l'île principale et évidemment, le canal vous permet d'entrer et sortir rapidement de la base sous-marine. Pour la station-service, elle est bien accessible depuis la route principale, mais elle est peu accessible si vous descendez des remparts du château. Cette station, elle se trouve à côté du canal, en face du bâtiment de contrôle. Le côté nord-est du port d'Ashika offre un quatuor d'entrepôt de taille moyenne, principalement rempli de pièces mécaniques. Le bâtiment légèrement surélevé contient des pièces de bateau, un bureau sur deux étages, un entrepôt à baie ouverte près de l'entrée et de la barrière de la route, et enfin une structure plus basse au toit rouge avec des cuves à huile sur le parking extérieur. On a aussi d'autres cuves de pétrole qui attendent d'être pompées et transportées vers la mer et qui se trouvent près du bord de l'eau. Notez aussi la falaise herbeuse et les sentiers entre le bord de ces bâtiments et la plage rocheuse. En plus de ça, on a une petite aire de pique-nique et de hautes falaises rocheuses qui entoure la sortie est de la route et qui offre aussi une bonne vue sur les conteneurs éparpillés sur la plage au nord-est. D'ailleurs, faites bien attention à une embuscade dans ces endroits car la vue est relativement limitée. Sur le terrain inférieur, sous les remparts du château, au nord et à l'est des fermes et des jardins familiaux, se trouvent des habitations résidentielles entre deux structures industrielles. Facilement accessibles, il y a beaucoup d'endroits à découvrir, à la fois sur et sous terre. C'est l'avant-dernier point d'intérêt et il s'appelle résidentiel. À l'ouest des principales maisons résidentielles se trouve un petit complexe d'appartements entouré d'un muret. Chaque paire de structures d'appartements, appelées A et B, s'élève à 4 étages avec un toit, une cage d'escalier intérieur et un accès intérieur également. Le terrain est composé d'un espace barbecue, d'une piscine et d'un court de tennis. À l'ouest du château, dans une cour de forme triangulaire entourée d'une clôture en grillage, se trouve la centrale qui fournit l'électricité à toute l'île. À l'intérieur se trouve un générateur à turbine de taille importante. Les données cartographiques actuelles suggèrent l'existence d'un tunnel d'accès reliant l'usine de traitement des eaux au nord-est. Au centre de la côte nord de l'île se trouve une petite usine de traitement des eaux ainsi qu'une troisième entrée de canal dans les voies d'eau souterraines. En surface, on trouve une cuve d'eau usée, un trio de bureaux en forme de conteneur et de hutte, et après avoir traversé la route, on a l'usine de pompage supérieure avec un petit bureau et une entrée dans un tunnel à flanc de colline. Ce tunnel peut offrir un accès clandestin à la centrale électrique et une descente dans les cours d'eau souterrains. Enfin, on a une bande de terrain rocheux au nord du château qui a été aménagée en un petit quartier résidentiel coincé entre l'installation de traitement des eaux à l'ouest, la tour de communication et enfin la station-service située à l'est. Les routes principales entourent un ensemble de modestes habitations en bois, toutes dotées d'un accès intérieur. Certaines structures ont deux étages alors que d'autres sont de plein pied. Cette zone de l'île d'Ashika, elle est définie par une fine couche de brouillard qui réduit la visibilité à longue distance et les lignes de vue dans certaines situations. Bien que cela n'affecte pas les situations de combat rapprochés, les tireurs d'élite doivent s'organiser en conséquence. J'en arrive maintenant au dernier point d'intérêt de cette map qui semble déjà gigantesque et pour le coup, le youtubeur Jagod me donne raison grâce à un post Twitter qu'il a fait hier soir. Il a comparé la map de Rebirth, de Fortune Skip et d'Ashika Island en termes de taille et visiblement, notre nouvelle map qu'on va pas tarder à recevoir serait situé pile entre Rebirth et Fortune Skip en kilomètres carrés jouables. C'est à mon sens un excellent compromis, mais on verra bien comment ça se jouera et le flow des parties. En attendant, j'en reviens au 7ème et dernier point d'intérêt et c'est Shipwreck, autrement dit l'épave de navire. Le mauvais temps et le littoral dangereux ont causé la perte de deux navires citernes. Les deux navires se sont échoués ici et les conteneurs qu'ils transportaient ont pour la plupart été sauvés et empilés de manière à rappeler la map Shipment du multijoueur. En bas des falaises rocheuses et à travers la plage balayée par le vent se trouve le premier des deux pétroliers identiques qui sont échoués ici et qui sont actuellement en train de rouiller. Au-dessus, un vieux bâtiment en béton est en cours de démolition et l'endroit est en ruine, bien que la hauteur et les vues environnantes en fassent un endroit intéressant pour prendre de l'altitude ou tendre une embuscade aux ennemis. On termine avec la pointe nord-est de l'île qui abrite une tour de communication et offre une vue impressionnante sur le château, bien qu'on soit à découvert. En contrebas se trouvent les défenses maritimes et le rivage rocheux de l'océan, ainsi qu'une petite station-service à proximité du quartier résidentiel et de la route principale. L'île d'Ashika deviendra la drop zone du mode résurgence et une option d'infiltration DMZ supplémentaire dans le cadre de la saison 2 qui sera lancée le 15 février sur toutes les plateformes. Vous trouverez plus d'informations sur la saison 2 dans un blog d'annonces saisonnière qui sera publié le 8 février. Ok, avec tout ça, plus les visuels et les photos que je vous ai affichés tout au long de la vidéo, j'espère que vous vous faites une meilleure représentation de la map d'Ashika et en tout cas, c'était le but clairement assumé de cette vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le signaler et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire avant de partir parce que c'est clairement le genre de truc qui aide vraiment beaucoup. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao!